I'm here to avenge all the innocent people you've hurt. Somebody help! Get him! Get him! It looks like you chose the wrong party to crash. My business is with Echigoya. Step aside, or I will have to kill you. Echigoya, where have you hidden? Get away! Help me, somebody! Your bodyguards are dead. And you are next. Petite perte de temps parce que je suis arrivé trop près en fait d'Echigoya. Et du coup ma crutch attaque ne passait pas, il a eu le temps de déclencher en fait sa pseudo-attaque qui le rend invincible. Donc petite perte de quelques secondes, parce que j'étais obligé de le finir avec 3 attaques au lieu d'une. Donc forcément, ça fait pas gagner de temps. I sense danger. I'd best hurry. Please forgive my late arrival. No, no. You have done well. Lord Gorda is waiting for you. Come. Bon, un niveau 2 hein, qui s'est passé tranquillement. C'est le niveau, généralement, on n'a pas grand-chose à faire, surtout là, dans cette disposition. C'était relativement tranquille.
You. Come out to play. That one could get to play too. Pareil, niveau 3 sans encombre. Die in peace, you misguided soul. Une disposition plutôt sûre. Là par contre, hein, j'ai bien fait attention contre le boss d'utiliser directement mes shurikens. Puisque l'ours se trouvait en haut à gauche. Et donc si je faisais un petit peu trop autre chose, bah, ça lui laisse le temps de se rapprocher. Et il faut éviter de se retrouver à affronter Égout et l'ours. Sachant que là aussi on peut avoir une disposition hein, où on n'a pas d'ours mais des loups. Et ça change bah, la donne. To be in great haste for such a late hour. Where are you going? Le niveau 4, le niveau qui foire des parties. Est-ce que c'est celui-là qui malheureusement conditionne un peu la suite des runs? Don't you be a good little boy and tell me where you're going and why. Ouais, je l'ai frappé un petit peu tôt quand j'étais tourné à elle, ce qui fait qu'elle s'est mise en autogarde. Bon. Ça fait perdre un petit peu de temps parce que pour enchaîner les deux derniers coups, je suis obligé un petit peu d'attendre. Elle s'éloigne, donc on perd quelques secondes. Mais elle n'a pas eu le temps de riposter, donc dans l'ensemble, ça va. Ça va, ça va. Donc là aussi, elle peut se comporter hein, de manière un peu différente suivant les parties que l'on fait. Même si elle est relativement stable. J'étais un petit peu bas là sur ma prise de... ma prise d'appui pour lancer le grappin. Ce qui fait que j'ai subi une petite animation pour remonter le long de la colline. Ce qui fait perdre là aussi quelques précieuses secondes. Mais bon, il peut tellement arriver d'autres choses que ça c'est négligeable. Ah, j'ai cette disposition là, ok. Ouais, ça c'est pas bon, il y a un peu trop de monde là. On va tout de suite essayer de dispatcher ça. Je les ai regroupés un maximum pour qu'ils essayent de se taper les uns les autres.
guest at the gate. Your sister was a brave woman. Mais là, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai eu beaucoup d'affrontements. Il faut savoir que c'est une zone où je suis obligé de nettoyer tous les ennemis. Hein. C'est pour ça que je prends la peine de le faire. Hein, parce qu'il faut absolument que j'affronte Akechi quasiment seul pour ne pas perdre de temps. Ça ne servira à rien d'arriver face à lui avec trois ennemis derrière. Parce que je ne pourrai pas gérer l'affrontement proprement et surtout gagner du temps. Et c'est ce qui m'intéresse. Donc je suis obligé de nettoyer cette zone avant. C'est ce qui me fait perdre énormément de temps et... Suivant la disposition, ben j'ai plus ou moins d'ennemis, ce qui peut amener à foirer des runs, même si on fait quelque chose de propre. Ah, il y a quelqu'un. Heureusement, c'est un archer. Beaucoup de réussite. Alors heureusement c'était un archer. Hein. En effet, c'est vrai que je me suis redéplacé, que je n'ai pas vérifié où était parti l'archer. Et il était soit resté sur sa plateforme, et je n'ai pas pris la peine de bien vérifier. Alors heureusement, comme c'est un archer, ben, l'avantage c'est que c'est un petit peu moins embêtant, parce qu'il va pas venir au corps à corps. Par contre, il a quand même un débit de flèches assez impressionnant, donc des fois ça peut être très dérangeant, mais là, ça s'est vraiment bien passé. Par contre, au niveau de la voix, ça se passe pas très bien. Alors, je vais peut-être perdre ma voix, je ne sais pas ce que j'ai un chat. Minister Kataoka sure likes his money. Salut à toi, Jeff Fourbe. Je vais dire Jeff le Fourbe, mais c'est Jeff Fourbe. Ouais, l'archer ouais, qui s'était caché. Mais c'est de ma faute, hein, j'ai pas été vérifié. En fait, il était sur la plateforme. Au-dessus, là, vous avez vu qu'il y a deux tourelles. J'ai été bloqué sur l'une des tourelles pour faire venir les ennemis. En fait, ils se trouvaient sur celle qui était à l'opposé et je n'ai pas été vérifié. Donc, c'est de ma faute. Là, c'est de ma faute, clairement. Et bonsoir à toi, Eskiel. C'est pas grave pour les mages, hein, ça peut arriver. Ne t'en fais pas. Leave it me. But remember... What happened to Echigoya? Tread carefully. Ouh. J'ai trouvé un bon coup de grappin assez rapidement. Ce qui est moins le cas ici, un petit peu traîné. Le grappin qui est assez capricieux, il a une portée limite en fait, hein, donc je ne peux pas tirer des coups de grappin où je veux. Et donc il faut un peu apprendre à le situer, mais en sachant que même des fois quand tu sais à peu près, t'as toujours des surprises. Ah! Alors chose assez intéressante, là j'ai raté mon... J'en parlerai après. J'ai raté mon jump slash, je ne sais pas pourquoi. Un petit peu perdu de temps sur l'affrontement. Il a un petit peu trop paré. Oui, alors donc j'ai raté mon jump slash. Je ne sais pas ce que j'ai fait. L'idée est de tomber le long de la paroi sans sauter pour pas perdre de temps. Et déclencher en fait une attaque pour activer le déclencheur qui envoie la cinématique pour affronter ce garde. Et là, chose assez étrange, je sais pas, j'étais sans doute mal placé en fait, je n'ai pas réussi, on l'a vu, à déclencher tout de suite l'affrontement, ce qui fait perdre bah, là aussi des précieuses secondes. J'aime pas bien, il m'attaquait pas, j'ai bien eu peur qu'il a réussi à me donner un coup d'épée dans le coin. Bon, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ah, tu as le jeu, Jeff Ward. Eh ben écoute, t'avais pas mal dosé le 2. Ah, si tu as le 1, je t'invite à le ressortir. Je suppose que tu as la version PAL. Il y a donc certaines choses que tu ne pourras pas faire comme je l'ai fait. Enfin, dans les temps que je l'ai fait. Mais bien sûr, hein, si tu as le jeu, je t'invite à t'y remettre. Et essayer. C'est des fois tu trouves des trucs assez drôles. En sachant qu'il y a des petits bugs dans la version PAL. Et j'ai pas vérifié s'ils étaient toujours présents d'ailleurs dans la version US.
D'ailleurs, là, par exemple, là, ce soubresaut de voix dans la version US qui n'existe pas dans la version PAL, même si vous la mettez en US. Ah si, en fait, fallait bien que je prenne deux shuriken. Oui, mais la version... Mais tu sais, j'ai commencé à jouer hein, sur la version PAL, il n'y a pas de honte. Hein. Seulement, elle est un petit peu plus lente, ce qui fait qu'il y a certains ennemis bah, que tu peux éviter beaucoup plus rapidement. Enfin, beaucoup plus simplement, on va dire. Et puis, il y a des petites choses qui font perdre du temps, en fait, dans la version PAL. En plus. Alors là, j'ai déjà été repéré. Je vais me mettre là. Oh là, j'ai été repéré déjà. Pas terrible ce coup de grappin. Ah, meilleur que j'aurais cru. Pas grave. Et là, malheureusement, une des choses dans la version hard qui me change, c'est que je suis obligé de me débarrasser de ce garde. Je n'ai pas trouvé de moyen que ce garde ne me voit pas. Alors, en plus, j'étais repéré par l'archer qui était le long du toit, mais heureusement, il n'a pas fini son travail. Mais malheureusement, dans la version hard, je suis en train de chercher un moyen d'esquiver ce garde qui se trouve dans la porte, puisque quand on joue en hard, en fait, c'est les cônes de vision qui sont élargis principalement. Bien sûr, ils sont un petit peu plus nerveux et ils frappent plus fort, mais... Ça c'est... Ah, ça c'était pas bon ce que j'ai fait. Aïe, 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 ça c'est mauvais. Ok, ça s'est pas trop mal passé, même si j'ai fait un début d'affrontement raté. Faut savoir en fait que contre ce boss, vous êtes repoussé. Je n'ai pas d'explication. Est-ce que c'est au niveau de l'histoire parce qu'il absorbait une pierre? Et donc en fait vous déviez. C'est pour ça que vous m'avez vu partir complètement à droite ou à gauche, alors que je n'avais pas touché mon stick, enfin mon D-pad. Et malheureusement c'est une petite chose qu'on est obligé d'apprendre. Donc en fait j'ai une sorte de repère et je sais les endroits où je peux attaquer et la manière dont je dois gérer ça. Mais là j'ai raté en fait. Ah, il va venir m'emmerder, les. Non, c'est bon. Ouf. C'était chaud. C'était chaud, mais c'est passé. Alors là, bien sûr, c'est une technique un peu tricky sur Onikage, mais ça passe bien. Onikage, il part tout. Donc il faut surtout pas essayer de l'affronter main nue. Sinon, vous allez y passer des heures. Mais vraiment, vraiment des heures. Donc là, la technique, hein, c'est une petite bombe, l'attaquer dans le dos et essayer de lui faire prendre la mine le plus tôt possible. Vous n'êtes pas obligé de tout à fait le tuer, hein, il faut entamer une certaine partie de sa barre de vie. Quitte à se prendre des dégâts, hein, comme vous l'avez vu, mais c'est vraiment pas grave. Attends, je peux pas répondre malheureusement à vos questions. Non, je ne run pas le 2 pour le moment encore. Je lirai ça un peu plus tard. Oula, ça c'était raté. Dommage. Ah mince, dommage que ça l'ait projeté, ça me fait perdre du temps. Ah. Dommage, l'affrontement avait pas mal commencé. Là la technique hein, c'est de faire le plus possible de tout slash pour éviter qu'il soit projeté, ou alors quand il est projeté il faut qu'il rebondisse pour éventuellement le juggler. Ça fait vraiment gagner du temps. L'affrontement s'est à moitié bien passé.
Bon voilà, j'ai beaucoup trop de fumigène par contre. C'est mauvais signe, ça veut dire j'ai pas eu le temps de regarder mais je dois pas avoir beaucoup de bombes. Je suis dépendant des objets à chaque fois que je fais des runs. Et malheureusement, ça me semble pas super bien parti. Au niveau des objets, ça veut dire que je vais être obligé d'improviser gravement dans les derniers niveaux qui sont les plus durs. Oui, bah je voyais pas le loup. Oula, ça c'est par contre pas bon. Ça va être tendu, il faudrait qu'il lui tire dessus. Bah, je vais essayer d'improviser un peu. Passer. J'ai raté en fait. Ok. On va essayer de ne pas retomber comme l'autre fois. Ouf. Pas sûr que le coup de grappin soit bon. Oulé. Nice. Bon level 8. Bon level 8. Il arrive tellement des saloperies dans ce level. Ça s'est bien passé. Et le plus dur encore à faire. Exemple de coup de grappin tricky. On a vu, hein, pourtant visuellement j'étais bien sur la tuile. Mais malheureusement, je considère que le coup de grappin ne touche pas. Et là, c'est un peu de ma faute parce que j'ai visé un peu trop mal. Allez, nouvel affrontement contre Onikage. Deuxième. Où il est bien sûr un peu plus énervé que la première fois qu'on le rencontre, hein, c'est normal, c'est un jeu vidéo. Ce qui fait qu'il va falloir que j'ai une technique aussi un peu agressive contre lui. Si, il veut bien. Ah. Ah là, le problème, c'est manipuler Onikage, qui malheureusement, des fois... ne veut pas se battre. Ça me fait perdre du temps, bien sûr. Ah, dommage. J'ai raté. C'est pas grave. Ouh, j'ai failli me faire briser ma garde. Ah, j'ai perdu des précieuses secondes, un malheureux affrontement qui s'est mal terminé. Faudra vraiment que je mette au point une nouvelle technique encore plus agressive sur Onikage. Hein. Ah, ça c'est bien. Ah, qu'est-ce que je fais? Ah non, c'est risqué, ça c'est risqué. Allez, c'est pas grave comme ça. Bien sûr, hein, c'est bon, je perds du temps là, mais c'est le temps in-game, donc le temps de la prise d'objets d'accessoires n'est valable que pour le RTA, c'est-à-dire le chrono que vous avez sous les yeux, mais pas ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le temps in-game. Donc peu importe si j'ai un petit peu de tergiversé pour prendre des objets, mais là c'était assez important parce que j'ai pas mal d'objets. Ouais, par contre, j'ai pas mal de mecs, ça c'est pas bon signe. J'ai bien... je pense que j'ai la plus mauvaise disposition. Et ça veut dire grosse perte de temps ici.
Ouais, j'ai vraiment vraiment beaucoup de personnes là. Ouais, c'est la pire. C'est malheureusement la pire des dispositions. Oh là là. Même raison, je suis obligé de nettoyer cette salle parce que sinon l'affrontement contre Nikage ne sera pas correctement et j'ai eu la disposition la pire. So, you've returned. This time, you won't come back. Oh, Dave. You can't beat me when I try. We'll find out. Oh, c'est pas vrai. J'ai raté mon enchaînement bombe stabbing. Il a été encore une fois propulsé sur un des côtés. Dommage, dommage. Onikage, I destroyed you, and your master Mayo is next. Oh! Ouais, je me suis pris un double dégât qui n'était pas prévu. Oh là 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 là! Thank you.
Allez, l'affrontement contre le boss final, qui peut malheureusement réserver des surprises. Il faut savoir qu'il est quasi invincible. Si on sait pas du tout comment l'affronter, on se fait laver, quoi. Tell me where Princess Kiku is. Do not concern yourself with the girl. Think about saving you. Nice. J'ai réussi ma stabbing cette fois-ci. Affrontement qui s'est bien passé, en plus j'avais 8 bombes, mais bien sûr là encore je voudrais mettre au point une technique encore plus agressive que je n'ai pas eu le temps de travailler cette semaine malheureusement et que je travaillerai à l'émulateur. Parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'être encore plus agressif contre lui. All of Lord Goda's enemies. Ah, je vais pouvoir un peu répondre à vos questions, hein. Je suis désolé en fait, j'ai très peu de temps à part au level 5 pour regarder en fait ce qui se dit. Alors, je vais essayer de reprendre ça, n'hésitez pas si vous avez des questions, là je peux y répondre. Alors une question, avec cet homme on peut l'affronter, non? Alors je suppose que tu parles de l'homme qui se suicide en fait, qui s'appelle... Ah, j'ai oublié son nom. Celui en fait qui se suicide, hein, je parle de la question de Jeff Ward. Celui dans le level 5 justement, je pense que c'est celui-là que tu dois me parler. Ouais. Alors en fait, pas avec Rikimaru, mais en effet, de mémoire, avec Ayame, tu l'affrontes et il a un arc. C'est pour ça qu'il tue d'ailleurs le garde à l'arc avant qu'il ne parle. Et comment il s'appelle? C'est pas lui qui s'appelle Kataoka? Si, c'est Kataoka, voilà, Kataoka. Et en effet, tu l'affrontes quand tu es avec Ayame. Mais quand tu es avec Rikimaru, en fait, tu ne l'affrontes pas, mais tu es obligé de te payer le combat contre le garde. Oui, la bande-son thanatographe du jeu est vraiment excellente. Donc tu découvres le jeu, hein, tu ne le connaissais pas. C'est un jeu qui est sorti juste avant Metal Gear Solid, donc le tout premier, hein, sur PS1. Et qui avait justement marqué par son ambiance et puis un côté infiltration. À l'époque, jeu infiltration 3D, hein, ça ne courait pas les rues. Et ce jeu a forgé une réputation justement grâce à sa bonne ambiance, ce Japon féodal, médiéval, assez intéressant à jouer, plutôt sympa. Et puis encore une fois, parce que c'était quelque chose qui n'existait pas. Alors je ne sais pas, de Soul Calibur, Seong Mina. De Soul Calibur vient de là d'ailleurs. Je ne sais pas. Alors Soul Calibur, c'est vrai que j'ai plus le roster en tête là des personnages qu'il y avait. Enfin, en plus j'ai surtout joué à Soul Edge. Je pourrais pas. Je ne sais pas. En fait, la femme que tu affrontes avec. Je ne sais pas, alors je pense pas, je sais plus si elle a un nom d'ailleurs dans le jeu, la sœur d'Akechi donc. Je suis pas du tout persuadé, hein, honnêtement. En plus là c'est un jeu qui a pas été fait du tout par Namco, donc même si après il y a une fusion Namco Bandai, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Namco Bandai qui s'occupe des... Royal Ragnarok. Je sais pas, ça, il date de 98 le jeu, Soul Edge il est sorti à quand? Il est sorti un peu après ou un peu avant? J'arrive jamais à me souvenir. Soul Edge, qui est l'ancêtre, et après je ne sais pas pour Souka, honnêtement.
Ouais, je t'avoue que... ouais, t'as loupé The Learn, ouais. C'est vrai que c'est... J'ai eu un run, un bon petit run, j'ai pas trop fait d'erreur, et j'ai eu des dispositions, à part pour le dernier niveau, plutôt correctes. Je vais faire un peu le bilan là, je vais regarder un peu les temps, puisque je n'ai pas encore, bien sûr, mon temps in-game. Hein. Je vais découvrir ça en même temps que vous. C'est les joies du live, hein, parce que je ne sais pas exactement combien j'ai fait. Mais bon, a priori c'est un nouveau PB, hein. Je pense pas, il y a quand même une grosse différence, 1 minute 14, si je les ai pas pris en temps de jeu, je vois pas trop où je les aurais pris. Alors tu me dis, sous l'edge, c'était 95, ah c'était encore plus d'accord, c'est encore 96, 95 sur bande, 96 sur play, ok. Ah, sous l'edge, rien que pour l'intro, je crois, même si elle fait un peu kitsch, hein. Ah, la musique de sous l'edge. Quel bonheur cette intro. C'est vrai que c'était une période, sur PlayStation, j'ai surtout souvenir des intros où on passait beaucoup de temps à les regarder. Que ce soit pour Wipeout, que ce soit pour Sledge, que ce soit pour Tekken hein, d'ailleurs. Alors, je suis en train de chercher mes fichiers. Voilà, tout voici. Ah, voilà, fichier magique. Salut à toi, merci. Alors attends, pardon. Salut à toi, Darek, et merci à toi, Glarok. D'accord, à plus tard, j'ai fourbe. Ah, dommage, ceux qui arrivent juste alors que le run vient de se terminer. Vous allez découvrir le temps que j'ai fait. Il y a du suspense. Oh là là, c'est incroyable. Je vous ai laissé le staff de fin. J'ai toujours cette habitude d'ailleurs, c'est vrai, quand je fais un run où je bats un PB, je laisse passer le staff roll en entier. Que la musique est assez plaisante, hein, même si je suis en train de filmer dessus. Non, je vais pas arrêter. Je pense pas que je vais arrêter le stream. Mais c'est que le run vient de se terminer. S'il y a des gens qui arrivent, je sais pas, je pense que je vais en refaire un quand même. Je vais peut-être faire un peu de training, je sais pas trop en fait. Mais non, c'est pas que j'arrête, c'est que en fait il y en a qui viennent d'arriver. Malheureusement, c'est vrai que le beau run vient de passer. Parce que je pense pas que je vais battre mon PB juste après ça. Mais non, je vais pas arrêter de streamer. Je pense aussi que j'ai un peu de le commencer en fait. Hein. Mais c'est vrai que le premier run a été bon. Mais c'est souvent comme ça avec moi en fait. Hein. Faut savoir que quand je sors un bon run, c'est souvent le premier que je fais. Je n'ai pas d'explication, hein. Je ne sais pas pourquoi. La logique voudrait que ça soit plutôt le contraire. Tu vois, le temps que tu t'échauffes et tout. Et moi, j'ai remarqué que c'est plutôt l'inverse. C'est le premier ou c'est rien. Non, on va déjà découvrir combien... Non mais je suis là maintenant, tu vas faire un WR. Alors en fait, je peux pas faire de WR techniquement parce que personne ne joue à Tenchu dans la catégorie que je joue. Donc je ne peux pas malheureusement faire de WR, je n'ai pas de point de comparaison, c'est le seul bémol. 5.25, hein, c'est pas un gros niveau 10 hein, par exemple. Voilà, 5.25, ça prouve bien que c'était la disposition la moins rapide. Un bon niveau 10, on est en dessous des 5 minutes, quand on a déjà une bonne disposition. Là j'ai fait avec, j'ai pas trop perdu de temps, ça s'est quand même bien passé dans l'ensemble. Mais voilà, 5.25, hein, c'est pas... un très très bon temps quand on connaît les dispositions qui existent dans le jeu. Voilà, donc là on a récapitulatif du temps, hein, ce qui va m'officialiser mon record, puisque au moins j'ai une page avec les temps in-game du jeu, et on va voir combien ça fait ce nouveau PB, hein, si vous voulez bien. En hard, parce que je rappelle qu'en fait... je jouais en normal hein, avant, et puis je me suis dit, tiens, allez, on va mettre un peu de fun, on va passer en hard. Alors, voyons voir. Donc 1.04 pour le level 1, c'est pas mal. Mais c'est améliorable, notamment parce que voilà, j'ai perdu 3 secondes en donnant 3 coups supplémentaires sur Echigoya. Donc là déjà, on voit qu'il y a 3 secondes qui sont perdues. 38 secondes sur le deuxième niveau, on peut pas faire moins. On peut faire plus, bien sûr, mais on peut pas faire moins. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Voilà, 1.03 pour un level 3, c'est bien. Je pense qu'on peut faire 1.02, je crois que j'ai sorti 1.02, mon best, donc c'est bien. Level 4, il est sans plus, parce que c'est pas un mauvais level 4. En dessous de 30, c'est très acceptable, mais avec une meilleure disposition, on peut faire 2 minutes, voire en dessous de 2 minutes. C'est très très rare, mais on peut.
Donc voilà, c'est pour vous dire hein, comment le jeu peut être vicieux. Une minute pour level 5, 1 minute 01 pardon pour level 5, c'est plutôt bien. J'ai perdu un petit peu de temps, mais pas trop sur l'affrontement contre le garde. Alors j'ai perdu quelques secondes, oui, parce que comme je l'ai expliqué, j'ai raté mon jump slash en fait avant l'apparition du garde qui est censé déclencher on va dire la phase d'affrontement. Hein. C'est-à-dire que je saute pas du toit, je glisse le long du toit, mais si je ne fais que glisser le long du toit, en fait je ne déclenche pas le combat. Donc il faut que je donne un coup d'épée. Et je sais pas ce que j'ai fait, je l'ai pourtant donné, mais je pense que je l'ai donné un petit peu tôt, ce qui fait que j'ai pas dû toucher la zone de déclenchement de l'affrontement. Donc ça m'a fait perdre. Ça me perd 1 à 2 secondes, hein, ces petites erreurs là. 1.24 pour level 6, c'est plutôt bien. Alors, c'est même plus. Pour level 6, oui, c'est plutôt bien, sachant que j'étais obligé d'affronter le garde. Puisque je n'ai toujours pas de trouver de moyen de ne pas me faire repérer par ce garde et de le tuer bien sûr en un coup. Et ça c'est embêtant. C'est ce qui me fait perdre beaucoup de temps en fait dans le hard, parce que là souvent je concède des secondes, mais ce qui est assez marrant c'est que donc là je m'en suis débarrassé et que je n'ai fait qu'une 24. Donc ça veut dire que imaginez que je n'aurais pas à m'en débarrasser, je pouvais gagner facile 10 à 15 secondes. Hein. Ça pourrait être assez violent. Une 06 pour le level 7, c'est sans plus on va dire. C'est un affrontement, on sent qu'il a un peu duré. Il aurait pu plus être autour de la minute. Alors, une 17 pour le level 8, par contre, c'est un bon temps. J'ai eu la meilleure disposition pour le level 8, et je n'ai pas merdé. Donc voilà. Level 9, une 33, c'est bien, mais peut faire mieux. C'est bien, mais pas top. Parce que on a vu que, voilà, il faut vraiment que je trouve une stratégie pour que Onikage, il faudrait qu'il se jette plus sur les mines, en fait. J'ai vraiment un souci, parce que le truc, c'est que il tarde à venir sur les mines, et en hard, j'ai l'impression qu'il tarde encore plus. Il n'est pas plus agressif. Alors que, par exemple, quand on l'affronte dans le level 10, il est agressif, donc on s'en fiche en fait. On sait qu'on pose une mine devant, il va tout de suite se relever et foncer dedans. Par contre, dans le level 9, j'essaie de le manipuler, mais malheureusement, je n'y arrive pas. Il faut pas trop que je m'approche, hein, parce que bien sûr, je peux me prendre la mine, et c'est pas le but. Même si, éventuellement, 45, je peux me prendre techniquement 2 mines. Donc, en fait, sans prendre d'alcool, hein, je précise bien sûr pour ceux qui auraient l'esprit mal tourné. Et en fait, je pense que je vais utiliser une des mines façon suicide. Je pense que ça va être ça, ma nouvelle tech. En fait, au début, je vais utiliser, je pense, Crotch Attack. Ensuite, je vais peut-être utiliser la première mine. Ensuite, je vais l'attaquer dans le dos une première fois. J'utiliserai une mine et je le finirai avec bombe et stalling. Je pense que ça peut me faire gagner des précieuses secondes. Voire même l'utilisation d'un objet. Ça fait partie de ces dernières techniques ultimes ou prise de risque pour essayer de gagner du temps. Et ben voilà, 5.25 donc sur le level 10. Bon, malheureusement. Ok. Donc je viens de sortir un sub 17. Donc voilà, pour rappel, je visais un sub 18. Ok. Donc ça, bah, c'est une grosse perf en fait, puisque je voulais faire ça en deux étapes, hein. Je voulais bien sûr faire un sub 17, je me dis est-ce que c'est possible en hard. C'est-à-dire que sub 17, on est quasiment à ce que je suis en train de faire en normal. En fait, j'ai fait très exactement 16.58, et en normal, j'ai fait 16.49.